suis Sophie Reversa, je suis membre de cette association. Le but de cette association, c'était d'avoir des réponses, de savoir où on en était. Et là, sur le sujet qui nous préoccupe, sur Quel Éden, quand on pose des questions, on n'a pas de réponse. La seule réponse qu'on peut avoir, c'est que c'est compliqué. Certes, c'est compliqué, mais on voudrait savoir pourquoi c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué ? Le rôle de l'association, c'est d'aller creuser quels sont les problèmes, pourquoi on n'a pas de réponse. Dans l'association, on réfléchit à des solutions qu'on pourrait apporter pour trouver des solutions pour la réouverture la plus rapide possible, afin que tout le monde y trouve son compte. Ça pénalise énormément les commerçants et du coup, on est dans un village qui est assez mort. Il ne se passe plus trop grand-chose et tout ça est très silencieux finalement. Je crois que le plus important là-dedans, c'est le silence. Et nous, on veut proposer des solutions pour que le centre thermoludique ouvre le plus rapidement possible.